Paris gagnant émission de sport et du paris sportif bonjour à tous et bienvenue dans Paris gagnant votre émission de sport et de paris sportif bonjour messieurs comment allez-vous ça va bien est-ce que le week-end de paris sportif s'est bien passé? pas mal correctement ouais. oui. oui. si on revient des... sur les pronos de la semaine dernière, euh, c'est correct. Qu'est-ce ouais, euh, qu qu'on avait déjà Euh, <laughs> euh Fioran... Tu te rappelles Ah oui, il y a un match remboursé Saint-Étienne gagnant. Bayern Dortmund les deux équipes. Ah, ah oui, Marc. Euh, Voilà, 3-2 ça fait, non Pour Ouais, euh... c'est ça. Mais c'était un super <laughs> match pour, euh, Dortmund. <laughs> c'est ça. Franchement, on revient au présent. Et ce qui nous attend sur la semaine prochaine, sur le oui. week-end prochain, pardon, plus exactement. Alors au programme, euh, et ben on va parler de Ligue des Nations. Il y a pas mal d'affiches. Alors bon, on sait, Benoît, ton attrait pour les matchs internationaux, mmh. hein, les matchs amicaux aussi. Hein. c'est quoi le proverbe euh, Donc... Match amicaux reste au repos. Mais la Ligue des Nations, c'est une compétition officielle. Alors, alors est-ce pour autant une raison de s'enflammer sur le... Non, non, voilà. non, non, tu vas pas, non, non, mais tu vas pas t'enflammer, mais tu peux peut-être jouer des, des petites choses. T'as vu des trucs euh, euh, une, ou deux, une ou deux, oui. Mmh, on on une ou va, deux. On, on va y revenir. Ouais, il y a de belles affiches aussi. Il y a des gros <laughs> derbis. Il oui, y a un, un gros, gros derby gars. à... Là, il faut faire gaffe quand même. Ce derby-là, il mmh, faut mmh. faire attention. Parier sur le nombre de cartons peut-être. <laughs> pourquoi <rire> pourquoi <rire> pas pourquoi ouais, bon. vous, vous verrez pourquoi on dit ça. <laughs> vous verrez le match que... Alors forcément euh, du côté du foot. Alors on va essayer... Euh, on, on aurait voulu vous parler de, de foot féminin aussi. Oui, mais il n'y a pas de cote mais bah voilà il y a pas de côte mais qu'est-ce euh, qu qu'on qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut faire Benoît quest euh, bah, ouais. créé à l'Argel ah, voilà. tu tu pas bien qu'est-ce qui est ah, bah, vraiment voilà. bon ouais il y avait un beau voilà. petit PSG bah. Lyon je voulais vous euh, regarder quelque chose et bah, non mais ça ça aide pas, pas ça aide pas à véhiculer euh, une image euh, du foot féminin des plus sympas je trouve s'il ouais, y, je... y avait de l'enjeu s'il y avait du pari sur ce sur ces compétitions bah mais oui elles ont un statut professionnel quel est le problème mais normalement normalement il me semble que la D la D1 femme euh, il s'est autorisé en fait par euh, par l'argèle pour parier dessus, euh, mais euh, c'est vrai que c'est très très rare de voir des euh, justement des paris des paris ouais, là-dessus en, ouais. en Argel. je veux dire. Donc voilà, euh, voilà, bon bah, c est, c est, ça c'est dit. Hein, si voilà. vous écrivez tout ça à, à, à l'Argel, au bookmaker, peut-être que ça sortira. Un jour. Non parce que le, le foot féminin va peut-être prendre une autre dimension cette année en plus bah, avec la Coupe du monde qui se présente en ouais, France ouais, en bah, juin prochain. Là, là on aura, aura des paris là-dessus oui, quand oui, même. Oui on aura. Oui tu auras on des paris sur... pour parier sur la Corée du Nord. Par, ouais, exemple. Exemple. Bah ouais. ouais, Par exemple, j'espère bien. Par exemple, et euh, donc ça, ce sera pour notre page de foot. Et puis, euh, ben, bah, on va parler aussi de tennis à un moment donné. Parce donc, que il euh, mm -hmm. y a une belle affiche de Final, un France-Croatie sur le papier qui arrive. C'est ça. Les matchs France-Croatie, fa... de toute façon, toutes les compétitions sportives. Hein, ça... Au, au ouais, handball au pour ceux hand, de, de, euh, de la finale, de la Coupe Labe du Monde, du Monde aussi. Bon, ouais, bref, France-Croatie, on fera un petit tour. On y reviendra plus particulièrement la semaine prochaine. Euh, okay. On fera un petit tour un petit peu des, des absences, parce qu'il y, a, il y oui. aura des absents. Enfin, moi, il y en aura au moins un mmh. du côté français. Et on en reparlera donc un tout petit peu. On fera un truc un peu général avant de revenir dessus, bien comme il faut, la semaine prochaine. Ça marche. Et c'est parti sur la Ligue des Nations et matchs amicaux aussi. Il y en a quelques-uns des matchs amicaux, puisque toutes les équipes ne peuvent pas jouer des matchs internationaux officiels de Ligue des Nations, puisque ce sont des poules de trois. Donc il y en a forcément un qui est exempté, comme on disait dans les années <laughs> 90. Euh, alors on fait un petit tour des affiches c'est cette y, on dernière y, on journée, journée, il me semble d'ailleurs, il y a plus de matchs après en Ligue des Nations. Après, euh, c'est le Final Four. Yeah. Euh, normalement, ouais, mais alors après, il faut, oui, ça, ça part en mai ou en juin, je crois. C'est pas tout de suite. Hein. Mm. Le tournoi, le tournoi à 4 Le euh... tournoi majeur, enfin, ouais, ouais. à la fin, ouais. c'est pas mm -hmm. tout de suite. Alors, qu'est-ce On y va Qu'est-ce qui vous intéresse sur <laughs> Ah bah. Bon, on... yeah. Vas-y, vas-y. Ouais, non, mais juste parler quand même peut-être de Pays-Bas France parce que ça nous. Mais déjà, allez, allons-y. Ça nous concerne directement. Allez, bah... Commençons par ce qu'il ne faut pas faire, parier avec le cœur. Ah, non, bah là, franchement, je ne veux même pas donner de paris pour ce match-là. Voilà. Non, non, ça, ça va être un match intéressant à regarder. Euh, la France, il y a pas mal d'absents. Euh, le Pays-Bas, bon, bah, voilà, c'est pas, pas tip-top. Euh, Alors, c'est la moment. première place qui va se jouer. Il ouais. hein y a quand même euh... mmh. ouais, un match... de l'enjeu. Il ouais, bah, y a de l'enjeu. Si la France fait le match nul, euh, elle est qualifiée. Donc, euh, est voilà, c'est ça. Donc, oui. Donc, euh, Il voilà, euh, faut après, résister. Voilà, Pays-Bas-France, je rappelle les codes 3 pour le Pays-Bas et autour de 2,25 pour la France mmh. et 3,40 le match nul. Euh, pff, moi, franchement, je ne me prononce pas là-dessus. Parce que franchement, vu le jeu que produit la France et, euh, ces derniers temps, voilà il y a du très haut, il y a du... C'est moyen, ça fluctue. Allez, regardez ça pour le plaisir et puis euh, on va pas plus loin. Bah, C'est surtout que euh, les Pays-Bas restent sur un, un, un bon match face à l'Allemagne ouais. et un 1 contre les Belges. Donc, euh, bon. On se dit, tiens, il y a peut-être quelque chose. On, on, on les avait battus 2-1. Enfin, ouais, C'était ouais, que 2-1. bon mmh. euh, enfin, voilà, ils sont en train de se reconstruire aussi. Ouais. Euh, tout le monde connaît paille qui joue à, à Lyon, euh, d'ailleurs, qui les a sauvés euh, ouais. euh, le week-end d'avant. À... À Guingamp, il a eu une neuf dans l'équipe, c'est rare quand même un jour qu'il a une ouais. neuf. Hum, donc euh, ouais, moi c'est un match aussi où, où je me risquerai pas là-dessus. Euh, voilà, euh, je ouais, peut-être mmh. en, en ayant joué un, le, le match nul en en, en bon, no, way, no bet ou en mmh. home no bet. Voilà, ça c'est des, des variants du drone no bet. Explique, explique. Euh, donc en gros, vite fait, c'est soit tu joues sur l'équipe, euh, euh, gagne à la maison et t'es remboursé, et si a nul, tu gagnes ton pari sur le nul, ou soit tu es remboursé sur l'équipe à l'extérieur et tu gagnes ton pari sur le nul. C'est ça le home et le away dans, le, dans ce que je viens de vous dire. Euh, voilà, donc, euh, et généralement, tu peux avoir comme ça une cote. Bon, là, je sais pas, je peux calculer, mais tu as peut-être une cote à 1,60. Mm. Voilà, s'il y a match nul, et tu arrives à être remboursé si euh, voilà si l'équipe à domicile euh, gagne ou si tu ou hésites à parier sur l'équipe à l'extérieur. Donc, euh, c'est assez intéressant, mais il y a pas mal de, de monde qui, qui commence à, à, à faire ce, ce genre de paris. Euh, J'avoue que j'ai du mal à, à imaginer des, ah, des matchs aussi. nuls quand j'analyse, donc c'est pour ça que j'ai du mal à aller sur ce mm. type de paris là Mais ça intéresse mm. de, de plus en plus de monde. Voilà. Tout simplement. Euh, donc, euh, donc ça peut être intéressant, mais voilà. Ce, ce match, euh, ouais, je pense comme toi. Euh, on le regarde le... bien tranquillement. Et puis comme tu l'as dit, ils ont battu les Pays-Bas. Euh, L'Allemagne, pardon. Ah ouais. L'Allemagne, c'est quand même une Allemagne un peu malade. On, ouais. on va le dire aussi. Ouais. Mais Alors, bon, par tu... contre, tu... par rapport tu... euh, à, à notre poule, là, ce qui peut être intéressant, euh, ça peut être le Allemagne Pays-Bas. Qui, euh, qui se profile. Euh, mmh. Alors, c'est lundi, si je ne me trompe pas, c'est ça C'est le 19, euh... oui. Ouais, ça lundi. se passe en Allemagne. Oui. l'Allemagne mmh. joue à domicile. Bah, L'Allemagne euh... n'a plus rien à jouer. Si les Pays-Bas ont on bas de la France, ils ont quelque chose à jouer derrière. Mais je vois mal l'Allemagne à un match mmh. contre les Pays-Bas, vu ouais. que c'est un peu hein, les voisins. Euh, à oui, avoir les codes, il faudrait être beaux mecs sur les... Ouais. les résultats, du coup, de ouais, l'Allemagne ouais. et, puis, et puis de la France. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à regarder plus précisément. Oui, c'est tôt on à toutes les infos. Euh, sinon, sur cette euh, dernière journée-là, qu'est-ce que vous avez vu bah, Moi, comme... Euh... On a fait déjà parlé le Kosovo. Le oh, Kosovo, euh... ah. le Kosovo euh, il se déplace. Euh, attention euh, à Malte. Ah. Euh, oui, Malte, est une équipe de foot. Euh, il se déplace. Ah. Il, il se déplace à Malte. Comme les 55 autres nations de l'UEFA. Hein. Euh, oui, oui, pas oui. de discrimination là. Non, non, pas de sûr. commentaires hautains et hâtifs sur l'équipe de Malte. Non, non. Sachant Aucun. que Malte, sachant que Malte fait 1-1 euh, en Azerbaïdjan et, euh, et avait déjà fait 1-1 contre l'Azerbaïdjan. Euh, bon voilà, donc ils sont capables aussi de, de, de faire quelque chose dans, dans certains matchs. <laughs> Donc là, le Kosovo, quand je vous l'avais dit, Kosovo pour moi c'est des, des « des, des, des yougoslaves, entre guillemets, c'est mmh. technique, ça joue quand même bien au ballon, il y a, il y a quelques il faut joueurs. Faut faire à... gaffe là quand même à ce que tu dis. Pourquoi On va creuser. Ça faisait partie de l'ex-Yougoslavie. De là à dire que c'était des ex-Yougoslaves. Ah oui, non, non. Tout le monde a compris. En ce moment, politiquement, il faut faire gaffe à ce qu'on dit. Tout le monde a compris. Et il y a encore une semaine, on pouvait trouver chez Bedstar un 1,62. Chez plus un plus un 70 Ça valait vraiment le coup. Et même, vous pouviez vous faire un petit drone quelque chose comme ça. Ça faisait pas une cote énorme, mais ça pouvait plus avoir du 1,20 et c'était un, un, dans un combiné safe parce que je les vois absolument pas perdre à Malte mais Matt est capable de les accrocher et aujourd'hui c'est descendu à 45 donc si on avait fait l'émission avant ben voilà j'aurais peut-être donné euh, ce pari là mais là un 45 le Drone bête il va être ridicule si tu le combines à autre chose Ouais mais même là il va être ridicule je pense... Euh, ça va un, être un 20 Non un 1,1 un, 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 je pense, quelque chose comme ça. Ouais, okay. ouais et au foot du 1,1 même à je ne ouais. m'aventure pas. Euh, donc euh, mais voilà cette équipe là, euh, parce qu'après il y aura aussi je pense un final fort de, de, de la Ligue D, hein, je, je pense. Ouais. Euh, je, je sais pas comment ça marche à, à mais euh, ou l'année prochaine ils montent en Ligue C. Parce qu'en fait, ouais, des... c'est plus pour l'année prochaine parce voilà. que le Final Four, je crois qu'il n'y a okay. que les équipes de la division ah, 1 okay. qui sont concernées pour ce tournoi. Okay. Après les meilleurs classés pourront avoir des meilleures places pour les matchs euh, entre guillemets de, de barrage. Okay. Voilà. Mais notez bien sur vos tablettes quoi qu'il arrive le Kosovo. Pour moi, c'est l'équipe qui monte. En Europe, donc euh, mettez ça sur vos tablettes. Euh, voilà, désolé, euh, on, ça aurait été l'émission la, la semaine dernière, on en aurait pu en parler. Il y avait quelque chose à faire dessus. Mais là, je ne m'y aventure pas. Et euh, voilà, dans la Ligue des Nations, moi je vois pas. Ah si, Italie, Portugal peut-être, ah, mais oui. je le garde pour ah. euh, le prono. Ah, ok. D'accord. Mmh. Bon, on, 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 on se fait le tour des affiches, les autres affiches. On, on en parlait en antenne. Il y aura ah, un oui. gros derby de malades, de ouais. fous. C'est ça. Irlande contre Irlande, Irlande du Nord. Nord. Bon, voilà. ouais, vache. Surtout en plus, là, avec l'actualité en ce moment autour du Brexit. Là, oui, c est, c est... C est... ça va envoyer du, du bois. Ouais. Euh, bon, euh, le match sera passé, hein, d'accord <laughs> Parce que le match, il a lieu, euh, je crois. Euh... C'est quand qu'il a lieu le match Il n'a pas lieu vendredi soir Je me demande si c'est pas vendredi soir. Donc, euh, ah, okay, on, pour... Dans les matchs amicaux, ah, il ouais, euh, y a Allemagne-Russie aussi. Il ne sera pas passé. Ok, Autant pour moi. Euh, donc, euh, ouais, ouais, ça c'est un match. Euh, j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé d'analyser un petit peu, euh, voir un peu ce qui se passe. Euh, mais euh, je confirme bien que l'Irlande du Nord du Nord, ça a lieu le jeudi soir à 20h45. Ah, pardon. Voilà. Bon, bah, bah, désolé. Bon, bah, on n'en parle pas alors. <laughs> bah, on, bah... Voilà, on a commencé à en parler, mais voilà, ça c'est un match. Je pense là-bas en Irlande, il est très attendu ce match. Donc, ouais. Vous savez pourquoi au niveau historique. Euh, et vous aviez un, un, un Irlande à deux, voilà. J'ai du mal à voir l'Irlande perdre chez eux, donc le draw no bet pouvait être aussi assez intéressant. Mais n'en parlons pas, ça ne sert à rien parce que c'était, euh, voilà. hier, hein <laughs> c'était hier. C'est retour vers le futur. Euh, voilà, des fois, on, 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 on vous parle de choses qui malheureusement vont, vont, vont être passées, mais on avait déjà fait ça avec Rennes, hein, et on a oui, vu ce que ça avait donné voilà. avec Dams euh, <laughs> contre contre Kiev. Donc euh, donc voilà. Mais euh, si il y a des Irlandais qui nous écoutent, je pense que ce match a pas mal d'importance pour eux. Et si je peux revenir, je peux revenir aussi petite info. Reviens, ouais. reviens. Victoire surprenant du Qatar contre la Suisse hier. Ah oui, J'ai vu ça aussi. c'est fabuleux. Enfin, l'effet Coupe du monde. Il mmh, y a un truc qui se prépare. Il y a un truc. Attention. On prépare les esprits à ce que le Qatar nous fasse une demi-finale. Comme le handball. Ouais. Comme le hand, ils avaient fait une ils finale. Vont euh... finale. Attends. 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 ils vont recruter des joueurs de tous bah, les pays qui, qu se sont que... refusés Et puis vont les mettre. Qatar. Hein J'avoue que ça m'a ah. super ah. surpris. Je, je, je pense à tous les parieurs qui avaient peut-être pris, je sais pas comment étaient la. Com Surtout que la je... Suisse en combiné, je <laughs> sais rien. À suivre peut-être que vous, avez... vous qui suivez cette émission, avez peut-être entendu parler de ça, mais il me semble qu'il est plus facile maintenant. Pour un joueur international de pouvoir euh, jouer sous deux maillots différents, il euh, y a un truc comme ça. Euh, tu, tu peux euh, faire un changement dans ta carrière si c'est pas. Hein si, euh, il me semble qu'il y a des joueurs comme ça qui récemment, à vérifier. Euh... Si en commentaire vous avez entendu parler bah, de choses comme je ça, je sais que pas. si tu passes de Espoir l'équipe à. D'espoir, la... tu peux faire tes sélections ouais. chez les jeunes Il y en a un sacré ouais, paquet qui sa font leurs euh, sélections Chez les jeunes et puis qui après vont euh, ouais. Jouer pour, euh, pour l'équipe ouais, Pour les euh, le parents Ou le grands-parents sont Cade oui. euh, euh, Morel qui, jouent, oui. qui va jouer la canne avec Madagascar ouais. Ouais. Mmh. Ah oui c'est oui, vrai J'ai ça vrai. D'ailleurs, bah, ça, ça c'est bien avoir comme info parce que je sais pas, Madagascar, ils vont sûrement être de côté, mais je sais pas contre mm -hmm. qui ils vont jouer. Euh, quoi qu'en France, on va pas pouvoir parier sur eux, je pense. Mais bon, pour ceux qui sont à l'étranger, euh, voilà, quand, quand vous avez des joueurs comme ça, bon, Moral c'est pas le meilleur joueur du monde, mais pour Madagascar, ça va être le mec leader en défense. Bah, je, je, si je me trompe pas, c'est peut-être leur première canne je sais pas, peut-être. Ouais, 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 Mais bon, crois. quand il y a des joueurs comme ça que vous rajoutez, bah forcément, ça, ça change un petit mmh. peu tout ce que l'équipe avait fait avant. Euh, voilà, donc c'est toujours intéressant à avoir comme info, je vous ai dit, à hein, rester à l'affût de, 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 des infos pour voir un petit peu ce qui peut, ce qui peut tomber. Euh, et euh, peut-être détecter des, des choses comme ça. Comme là, vite fait, la Belgique contre l'Islande la Côte de la Belgique qui avait passé de 1,23 1, à 1, 1,14, un truc comme ça, parce qu'il y, y a quelques joueurs islandais absents. Euh, donc forcément ça. L'Islande est déjà reléguée. Ça, ouais, ça, bon. ça joue. Ouais, bien peu sûr. bien sûr. L'Islande n'est plus l'Islande de il y a pour l'euro. Il y a eu ou... un changement de sélectionneur qui ouais, ouais. Qui... Qui... qui est difficile. Est ça ne pas, pas été fatal. Du... Mais euh, voilà. Si est... si, ça fait fatal. Tu ouais. Avoir... Ouais, On verra. Bon, après le match contre la France c'était pas non plus. Euh... Enfin c'était l'Islande quoi telle oui, qu'on l'a oui, connue quoi c'est-à-dire hyper rugueuse. Ouais 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 mais euh, il, il s'est bien profité, marqué, du... et qui s'est il... bien profité des coups de pied arrêtés. Voilà c'est ça. Euh, et vite fait aussi il y a pour quelques matchs à suivre il y a un petit Suisse-Belgique. Ça je pense que intéressant à suivre parce qu'ils vont se battre pour euh, je pense dans dans, dans leur poule cela. Euh, il y a quoi encore? Oula, là, je vais encore parler de Yougoslavie, mais il y a un Serbie Monténégro. <laughs> mm. Celui-là aussi. Euh... Je pense que voilà, ça peut voilà. Et pour terminer sur ce luxembourg biélorussie on avait déjà parlé du Luxembourg dans cette émission-là. Ils sont où le Luxembourg Ben, écoute, ils sont à la lutte, justement pour la, la première place avec la Biélorussie. Donc c'est voilà. Mmh. Et le, là, il y a un, un luxembourg biélorussie euh, Luxembourg, euh, bon l'équipe la plus connue de luxembourg, du Luxembourg, c'est Dudelange, qui cette année, pour la première mmh. fois, on en avait parlé, était allé en, en Europa League. Donc ils ont, euh, voilà, cette année, euh, ils sont premiers de leur groupe euh, devant la Biélorussie. Ils ont un point d'avance sur la Biélorussie. C'est-à-dire s'ils font match nul contre les Biélorusses, euh, ils sont toujours premiers de leur groupe. Enfin euh, voilà, quoi, ils, étaient avec Lux... ils étaient avec Biélorussie, Moldavie, saint Marin. Et voilà, Luxembourg, premier du groupe, là, euh, ça c'est peut-être Si c'est Chernik qui est dans les buts du côté biélorusse. Oui, toi tu dis ça pour mmh. la cagette qu'il a fait avec Nancy contre, le, ouais, ouais, voilà. contre Brest. Merci d'ailleurs. Merci donc donc peut-être un, je dis ça, voilà, mais euh, peut-être un, un drone no Luxembourg peut être intéressant et je pense que la code va être 1,80-1,90. Euh, avoir les compos d'équipe, là je les ai pas. Mais euh, voilà, vous aviez eu un, un Biélorussie-Luxembourg, euh, c'était quoi, euh, il y a un, un mois de ça, le 12 octobre, il y a eu 1-0 pour la Biélorussie, mais au niveau, au niveau du nombre d'attaques, de tir au but, c'était 11 contre 12. Donc ça va être super serré. Et chez eux, au Luxembourg, euh, je pense qu'ils peuvent vraiment s'accrocher, même peut-être bah, la Biélorussie. Donc euh, un drone au bête sur le Luxembourg. Peut valoir peut-être une petite pièce et je vous dis ça doit faire du euh, du 1,80 90, mmh. 90 la code du drone no Obet c'est rare un drone Obet 1,80 1,90 voilà euh, je pense que il y a peut-être quelque chose à, à faire là-dessus très bien euh, on parle tout de suite du Italie Portugal dont tu voulais nous parler oui allons-y Italie-Portugal. Euh, bon, ceux qui connaissent, mais non, voilà. Italie-Drono-Bet 1,41. Euh, pareil, artisanal. Euh, vous prenez les, les deux plus haut de code Donc, c'est la victoire à l'Italie de 15. Le match nul de tête comme ça, ça doit être à, à 3. Donc, ça vous fait du 1,41 41 Dronobet. Pourquoi Portugal en face Bon, il n'y a pas Cristiano Ronaldo. Mais le Portugal sans Cristiano Ronaldo se débrouille bien. l'Italie en reconstruction. Euh, voilà. Euh, ils restent avec leur défense centrale en Bonucci. Euh, Chiedelli, enfin je vois qui est on dit le, le CH en italien ça se dit. Chiedelli, voilà. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, y a, ils, ont, ils ont des buteurs devant. J'ai du mal à les voir perdre ce match contre le Portugal, euh, sachant qu'eux, pareil, bah, ils, sont, euh, voilà, ils sont à la lutte. Euh, et c'est très important pour eux de battre le, le Portugal pour avoir une chance de finir premier, d'aller au final fort. Parce que les Portugais, d'ailleurs, il leur restera un match contre eux, la Pologne. Donc, euh... donc voilà, Italie-Portugal, Italie-Dronobet, une cote de 1,41, me semblait intéressant. Intéressante. dans un combiné, un recombiné, après c'est vous qui voyez, même mon simple sec, un 41, peut commencer à, à valoir bon, le... Bon. le coup. Voilà. Pour Très bien. Merci beaucoup. Au clos, cette page Ligue des Nations. Oui, euh, un petit mot euh, quand même, euh, alors euh, en commentaire, peut-être que certains abonnés suivent cette compétition, cette finale magnifique sur la Libertadores, la finale, le beau match euh, oui. aller-retour euh, Boca contre River. Euh, si vous suivez ça, n'hésitez pas à nous laisser des, des petits commentaires pour savoir un petit peu comment vous avez euh, suivi euh, cette compétition, euh, parce que je pense que ce serait pas mal qu'on en reparle, vu que la finale retour, c'est le 24 novembre, si je ne me trompe pas. Il y a eu deux deux là. Non ouais. Il y a eu deux deux à la Boca, euh, ouais. à la Bombonera. C'est ça. Euh, alors match euh, aussi qui a été euh, reporté à oh. oh. cause de la pluie. Oui, c'est ça. Exact. Euh, Joué en plein après-midi. Mmh. Euh, ça donc, ça euh, change euh... beaucoup de choses. Hein. Euh, je sais pas si ça change beaucoup de choses, oui, mais si euh... ça change franchement. Ouais. Ouais, oui. Honnêtement, quand tu prépares un match et que tu comptes jouer le samedi soir et que tu le reportes euh, un jour plus tard. Et eh ben franchement, il y a toujours. Euh, Je pense que ça joue un peu. Sportivement, hein. ça joue. Ouais, tu pourras poser la question à tous les sportifs. Ils te le diront. Tu changes de date. Tu n'envisages pas le match de la même façon. Très bien. Je te Je fais pense. confiance. Merci. En tout cas, si Merci. vous avez des remarques à nous faire parvenir justement sur ce mmh. match, s'il y a des points que, que vous voulez qu'on aborde avec Benoît pour la prochaine émission, n'hésitez pas. Et puis, ça nous amènera en Amérique du Sud. Mmh. Et franchement. C'est bien aussi. Bah, ouais. C'est le pays du football. Ouais, c'est ça. Puis le vrai. gros classico argentin, celui-là, il envoie du poney. Ouais, bah, euh, je sais plus, c'est un truc de fou là-bas chez eux. C'est ouais, exceptionnel. Après... On va dire que c'est le club des riches contre le club euh, des pauvres. Non, mais c'est vrai, c'est comme mmh. ça qu'on ah le Ah ouais, River, euh, River Boca, c'est sous. Ah ces ouais, de... euh, bah, River, c'est l'équipe euh, qui a été rachetée. Et un peu plus élevé et bah, on va dire le club des riches et Boca c'est le club un peu familial des populaire quoi populaire ouais voilà ouais. Ça. ça fait penser l'Atlético contre le Real exactement oui un peu oui c est c est un le même même genre, même genre. Ok, très bien. Allez, on termine le foot du coup. Allez. Et puis on va sur la, la Coupe Davis. Alors, un petit parti. point introductif. Euh, avant la finale qui aura lieu du 23 au 25 novembre, euh, pour une finale donc, france croatie on connaît euh, l'équipe euh, française toujours avec euh, Lucas Capouille, Jérémy Chardy, Pierre Gerber, Nicolas Mahut, Joe Wilfried Songa et capitaine Yannick Noah. Enfin, on, on connaît jusqu'au prochain forfait. <laughs> jusqu'au prochain forfait. Ouais. Parce que, ouais, faut, parce que euh... initialement, Gasquet était de la teuf. mais… Euh... Richard, euh, Richard Gasquet uh, uh, out. Voilà, donc. Euh, pas de remplacement, rappelé. Donc, Bizarre. Euh, donc maintenant, bah, <laughs> qu'est-ce qui va se passer euh, Voilà, parce qu'en face, euh, ça c'est joué au tennis. Hein. silig ouais, 7e hein, euh, ouais, euh... voilà. joueur et 12e joueur mondial. Et voilà. on dit que la paire française de double est forte, mais on oublie qu'en face, il y a Pavic qui est troisième mondial mm -hmm. en double. Euh, voilà, excusez du, du peu. Donc je pense qu'il peut faire une bonne paire avec Dodic. Euh, donc c'est pas sûr qu'on ramène le point du, du, du double. Franchement. Et d'ailleurs, cote, les cotes sont ressentent parce que la Croatie, elle a baissé. quand mmh. Richard a, 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 a fait forfait. 1,70 pour la Croatie et France 2,05. Voilà, donc euh, oh. j'ai vraiment du mal à voir la France gagner. Ouais, moi, je vois même <laughs> pas du tout la France gagner. Franchement, c'est impossible. Euh, le petit bémol, c'est que les Croates ne pourront jouer que deux jours avant sur le cours... Euh... Euh, en terre battue, qui sera prévu. Euh, parce qu'il y a un match avant et tout. Et d'ailleurs, ils se sont plaints à, à, à la Fédé. Mais voilà, ils se rencontrent deux jours avant le, mmh. euh, sur terre battue. Et euh, donc, Coric est remplaçant à Londres. Donc, il joue pas. Euh, si euh, il joue, pardon, pardon pour l'instant, il a fait une victoire et une ouais. défaite. à voir s'il va passer au, au, au prochain tour. Euh, donc, euh, ouais, après, changer de surface comme ça, euh, des fois, c'est mmh, compliqué. Alors, les Français, euh, voilà, là, c'est terre battue à fond. Euh, c'est le petit bémol que, que mmh. j'aurais à, à mettre, euh, mettre mmh. là-dessus, sachant que pour Cilic ce n'est pas la, la surface préférée. La, la terre battue. Et mmh. j'ai un petit doute encore sur son gars, euh, parce qu'il a fait deux trois derniers matchs pas mauvais, euh, Joe. Ouais, là, vous écoutez, ça sent le poney, quoi. Ça sent le poney. Ouais, mais l'histoire serait tellement belle que la France mmh. finisse sur la vraie Coupe davis. Euh, C'est ça. En moi, ça me fait penser euh, à la fin de quand il y a eu le changement de trophée euh, <laughs> avec le Brésil qui avait conservé le trophée Jules Donc, Rimet euh, euh, Et ben, bah, ce bon serait bien que le dernier. La ouais. dernière vraie Coupe des Vies, elle oui. reste en France. Ah voilà, donc ça, euh, ça, ça, mmh. ça, ça Est-ce que ça peut, jouer sur, ça peut transcender les joueurs français ou nous inhiber hein. ouais, <laughs> C'est toujours pareil avec nous. Ouais. Euh, donc voilà, mais moi j'aurais, euh, si, si aujourd'hui j'avais ouais. un bien à mettre, il irait sur la Croatie, euh, bah, oui. mais sans hésiter. Lucas voilà. Pouille, c'est sa plus mauvaise ouais. saison depuis longtemps. Euh, ton gars, il est arrivé à la 274e place ouais. mondiale, je crois, parce qu'il a été longtemps blessé. Euh, franchement, je pense que psychologiquement, en tout cas, l'équipe de France n'arrive pas avec euh, des certitudes, mais euh, plutôt bah, dans le doute. C'est ça le problème. Et on n'est même pas sûr. Tu le disais, Benoît, que, que la paire de double qui souvent nous a amené des points euh, mm. sur les tours précédentes, euh, face, le, face le boulot. Donc euh, non, non, ça va être compliqué. Ça va vraiment mm. très très dur. Et pour le coup, la Croatie à 70, ça, ça se tente. prend, oh, c'est bah, pas oui. fou. Oh, j'ai même vu avant, avant avant de venir à l'émission, euh, j'ai même vu euh, pour les, ceux qui sont à l'étranger, certainsbook.com, encore un 91 vingt onze qui là c'est Allez, on est, ferme les yeux et on clique. C'est value. Je répète, ce qui veut dire, comment euh, on dit value, ce qui veut pas dire 100% de réussite à chaque fois. Hein. Ouais. Mais, non, euh, mais est on, que, on estime là, que euh, quand tu l'as, bah, D'ailleurs, regarde, tu la prends à 91, il y a des beaux ils sont à 70, voire à 60. Mmh. Donc déjà, voilà. Et si ça se trouve le jour de la compétition, euh, la veille, euh, peut-être la croatie sera descendue à un 55, à 50. Donc tu auras du 91 et ça vaut du 1,50. Mmh. Pour vous résumer, c'est ça qu'on appelle euh, mmh. avoir une, une belle value. Puis ça changera euh, en fonction de ce que va faire aussi Silich euh, euh, dans le master aussi. Bah, S'il ouais. passe pas les poules, bah, il aura un peu plus de repos mmh. forcément. S'il va jusqu'à la finale, euh, et puis euh, mine de rien, gagner un master, c'est important, il va, il va laisser de l'influx nerveux. Mais bon, en attendant Coric, il se repose. Ouais. Et pour les parieurs qui sont sur le master, euh, je sais pas, ils ne peuvent pas se dire à un moment donné, Silich, il va peut-être pas pousser l'effort jusqu'au bout, il va se préserver. Non parce euh, non, que c'est important, c'est vraiment non. le tournoi. Euh... Non non, c'est en termes euh... de priorité. Euh, non, euh... bah, non, en termes de priorité, euh, les deux se valent. Mais voilà, euh, quand tu joues un master de... comme ça, t'as vraiment envie de faire euh, ça... le meilleur quoi. En plus, il tombera contre, je sais pas. Non mais sachant bon, qu'il va gros, pas passer. C est, c est non, mais il va fou. pas passer parce qu'il reste un match contre oui. le Choco. Joko euh, pas laissé, euh, ouais, là. mais le problème c'est que Zverev contre Kontrisner a perdu son meilleur ami et je suis pas sûr de ah histoire de jouer. Laissé, ouais. euh, donc pour moi c'est Zverev qui va qui, qui, qui aura le ticket avec euh, avec Djokovic à mon avis. Voilà. Mmh. Très bien pour la Coupe Davis, on en reparle la semaine prochaine, la semaine prochaine. de manière plus attentive et approfondie avec un spécialiste. Qu'est-ce que t'en dis Benoît <laughs> Pourquoi pas Eh ben bah, tiens, <laughs> on donnera un coup de fil à voilà, l'invitation est, est lancée euh, en tout appelle cas. Appelle un à un ami, c'est <laughs> ça. <rire> Tu avais un, un mot à nous donner sur le rugby aussi, Benoît, avant de terminer cette émission euh, Oui, il y a pas mal de, de test match. Alors, il y a déjà eu une première salve. La semaine dernière, tout le monde se rappelle du France-Afrique du Sud et de la dernière mêlée. Encore euh, ratée. De la dernière mêlée. Le titre euh, de l'équipe. Comment j'allais dire ouais, Encore euh, ratée. oui. Euh, des des Sudaf qui nous a un petit peu. Euh, D'ailleurs, ce même pas une mêlée, c'était sur une touche. Euh, qui nous a un petit peu défoncés. Hum, encore raté, mais ce match-là, on aurait dû le gagner. Donc il y a pas mal de, de choses. Euh, on a un France-Argentine. Alors, c'est un peu notre baignoire noire et c'est surtout une répétition avant la Coupe du Monde parce qu'ils sont dans notre pôle. Les Argentins, c'est un peu notre meilleur, euh, meilleur ennemi, on va dire. Euh, donc voilà, celui qui va gagner prendra sûrement l'ascendant psychologique. Enfin, c'est ce que les Argentins disent pour la Coupe que... du Monde. Ascend... Un qui... ascendant psychologique Celui qui va gagner non on aura un ascendant psychologique. D'accord. Pourquoi Qu'est-ce que j'ai dit Non, je sais pas. C'est <laughs> une espèce de la palissade. Ah mince, pardon. Bah, je veux désolé. Euh, la palissade, tout le monde est en train de chercher dans le dico là. Ah, euh... C'est une émission de Paris sportif. Ah oui. Ok Google, qu'est-ce qu'il <laughs> euh, Donc en gros, euh... c'est pas très sympa pour les auditeurs. Non C'est ce toi qui as dit C'est toi qui as commencé C'est toi, <laughs> toi qui as commencé, tu vois. Oh, le donc, bien sûr, cher auditeur, n'écoutez hein. <laughs> pas ça. Euh, donc un ascendant psychologique, désolé, et c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Euh, et, mais surtout retenez que la France, on aurait pu quand même battre l'Afrique du Sud d'une dizaine de points. Si qu'on on gagnait de 14 points on n'avait pas fait une cagade au coup d'envoi et si on avait euh, mieux géré les, la, la dernière minute de fin de match, je pense qu'on pouvait battre les Sudaf d'une dizaine de points. Euh, donc là contre l'Argentine euh, on est favori à un 35. J'avoue que moi je touche pas à ce match là. Euh, je pense qu'on peut, on peut on pourrait bien battre avec un joli petit écart l'Argentine, comme on pourrait se faire battre par les Argentins. Donc j'avoue que là, psychologiquement, je sais pas comment on est... Euh, J'ai trouvé la France pas trop mal, moi, contre, contre les Sudaf. On a fait juste mmh. des 2-3 cagades qui nous permettent pas de remporter le match. Et les Argentins ont fait aussi un bon match euh, contre les Irlandais, même si ce n'était pas l'équipe AAA de l'Irlande. Il y avait eu quelques, quelques changements. Donc ce match-là, j'y touche pas. Euh, J'irai plutôt sur un... Et, et, et ça viendra s'ajouter, je pense, à, à ce que vous oh. direz comme prono, Damien. Euh, on a, un, alors on, je vous parle, hein, on a un, c'est quoi C'est euh, Italie-Australie, voilà. Okay. Euh, on a Italie-Australie avec euh, une cote à l'Australie chez bestar à 1,08. D'accord Bon, j'ai du mal mmh. vraiment voir les Italiens battre les Australiens, même s'il ne va pas y avoir peut-être 20 points d'écart. Hein, voilà. Et euh, on a aussi un Pays de Galles 1,06 contre les Tonga. Hein, chez chez BetStar, euh, Voilà, donc je ne vois pas du tout les Tonga les Tongiens rivaliser avec le Pays de Galles, peut-être sur une mi-temps, mais les Tongiens ça craque généralement à un moment donné. Tonga, c'est pas eux qui avaient battu la, la France, France ouais, en Coupe du Monde. Hein. Ah ouais. ouais, mais ils avaient une préparation en Coupe du Monde. Là, c'est une préparation match amical, ça n'a mmh. rien à voir. Donc vous avez du 1 08 8 et 1 0 -6. Voilà, et je pensais combiner ça avec le pari que, que Damien vous pourrait vous donner. Et beaucoup de gens voient l'Ecosse gagner, l'Irlande gagner. Contre respectivement l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Voilà. Moi, je. Alors, ça reste du rugby. Il y a moins d'impondérables que, que le football. Euh, sachant que c'est deux outsiders. Hein. L'Écosse, à... vous pouvez la trouver à 2,60 et l'Irlande à 3,15 même. Euh, pardon pour le micro. Je viens de donner un coup de dent. Euh, mais vous avez des choses à faire dans... avec des handicaps euh, alternatifs. Parion Paris Sport, enfin, Parion Web le, le propose. Euh, bon, malheureusement, c'est des codes ridicules par rapport à ceux qui sont hors, euh, hors France. Euh, mais vous pouvez avoir de l'Écosse plus, euh, plus 11, plus 10, 1,20. Un, un 25, je crois à 1,30 que vous pouvez combiner avec l'Irlande aussi, pareil plus 11 plus, euh, plus 12, donc un 30 x 1,30 ça fait une cote 1,69 autour de 1,70, c'est pas mal. Ceux qui sont à l'étranger, vous avez même du, du 1,36 euh, de ce que je viens de vous donner là, donc vous arrivez même à monter une cote 1,85, quelque chose comme ça, et qui pour moi ça veut dire que voilà, l'Ecosse et l'Irlande peuvent perdre, mais si c'est autour de 10 points. Euh, bah vous, vous pouvez euh, gagner votre, votre combiné. Je trouve ça très intéressant. Comme je vous dis, hein, pas mal de, de spécialistes voient, voient l'Irlande et l'Écosse gagner. J'ai échangé pas mal là, ces dernières heures. Euh, vous avez une cote de 3,15 de 60. Ou alors vous mettez un billet sur l'Écosse et l'Irlande gagnant. Et s'il y a un des deux qui gagne, vous gagnez de l'argent. Euh, mais ça va être deux super, matchs à, deux super matchs à regarder en fait. Très bien. Voilà. Est-ce qu'on a tout dit, messieurs Si vous avez encore des ben choses en stock, justement. L'analyse ben, de dame. Ouais, voilà. Pour finir. C'est parti, Allez, on continue, c'est sur le hand, un peu comme David. Ah, visites, du donc... hand, Ouais, bah oui, on va suivre bah, le, notre, euh, notre chemin habituel. C'est le match du BBH euh, face à Rostov en Coupe d'Europe. Donc c'est Rostov face au BBH. Fais pas euh... trop de bruit en tapotant sur la table ah, parce que c'est Autant pour raison. moi, je le ferai plus. Ah <laughs> vas-y, vas-y. <laughs> donc, ouais, cote euh, code de Rostov, victoire, 1,30. Euh, je sais même plus à combien est la cote de Brest. Euh, honnêtement, euh, je ne vois. On en a beaucoup discuté cette semaine, tous les deux. Euh, je vois pas, franchement, euh, Brest aller gagner à Rostov. Euh, Rostov, pour vous dire, c'est une salle. C'est un gros déplacement, déjà. Euh, déjà, déjà euh... oui, c'est un déplacement parce que tu mets deux jours quand tu pars de Brest pour aller jusqu'à Rostov. On part de Brest, pas, pas de Paris, on part de Brest, attention. Ouais, <laughs> ouais, donc tu, déjà, tu Ça mets deux quoi. jours, donc tu as deux jours dans les transports, donc tu restes moins longtemps. Et puis, voilà, c'est. C'est une équipe euh, où on s'est rencontré, je crois, quatre euh, fois, peut-être cinq fois euh, ces dernières années. On n'a jamais gagné. Euh, le premier point qu'on a pris, c'était euh, oui. en match nul euh, à, là, euh, il y a quelques semaines. A quelques semaines. Euh, voilà, là, je trouvais la cote à 1,30 pour Rostov assez forte. Mmh. Je, dois, euh, je dois le dire. Donc, euh, non, non, honnêtement, euh, j'ai du mal à voir Brest réussir à embêter. Euh, Rostov, euh, sachant ce chance que j'ai vu face à Copenhague. Euh, Mais on a des euh, blessés. On a, ouais, on a, on a Golden qui est toujours blessé à son pied. On sait pas trop comment elle va revenir. J'ai discuté avec elle. Euh, c'est difficile. Elle ne sait pas du tout quand ouais. elle va revenir. Elle a des douleurs constantes. C'est euh, une douleur qui est, en, qui est en dessous le pied. Alors euh, voilà. La commentaire c'est chiant. Voilà. Donc euh, non, 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 ça va être très, très difficile pour. Euh, pour le BBH d'aller là gagner là-bas, même je ne les vois pas du tout. Après avoir, euh, si on trouve, comme euh, la semaine dernière, on a trouvé au dernier moment, euh, mmh. les handicaps avec du plus 5. Euh, ouais, mais ça c'est pour, euh, voilà, pour les francophones de l'étranger. Voilà, c'est pour les francophones de l'étranger. Mais voilà, un cote euh, à 1,30 franchement à accumuler avec euh, ce, ce que, que, que je vous, vous avez donné, donné, vous arrivez euh... autour d'un 50. Ouais, franchement et voilà, il y a euh... moyen de faire euh... quelque chose. Il y a Madiba Copi qui joue pas non plus. Ouais, non, on va l'arrêter pendant encore euh, jusqu'à début décembre. Voilà. Donc, euh... donc pour tout vous dire et un on conclut mm -hmm. là-dessus, quand on avait Gulden Darle sur le terrain contre Rostov, à un moment donné mm -hmm. on a gagné 4 buts. Darle mm -hmm. et Gulden sont sortis, elles sont revenues, on a fait match nul. Il y avait Copi qui joue aussi à ce moment-là. Là, voilà. nous manque ces trois joueuses là. Euh, Rostov, euh, c'est l'entraîneur le, de Guyor avant qui avait gagné 3 mmh. euh, trois, trois Ligues des Champions. Donc je pense qu'il a eu le temps en plus de, 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 voilà, de, de jouer mmh. avec elle et, et de, de mettre en place des systèmes. Franchement, si Brest va euh, gagner là-bas, je serais super heureux parce ouais. que euh, je l'ai osé aussi en Paris long terme gagner Ligue des Champions parce que je pense qu'on la gagnera d'ici 2-3 mmh. euh, ans maximum. Je pensais peut-être cette année, mais bon, on a trop de blessés. Et, euh, et voilà, donc euh, 1-30. Moi honnêtement j'aurais plutôt mis du 115 quelque chose comme ça ouais, euh, maximum 120 mmh. donc je trouvais ça je mmh. trouvais ça euh, assez haut et c'est pour ça que j'étais d'accord avec Damien sur sur l'analyse euh, sur sur Rostov très bien on arrête cette émission monsieur allez bah, on arrête alors c'est bon hein c'est toi qui décides <laughs> allez, allez. allez c'est parti euh, le pouce bleu le petit partage le petit abonnement aussi sur le podcast yeah, iTunes voilà. aussi allez-y faites-vous plaisir mmh, faites-vous du bien Ouais, N'hésitez ouais. pas à en parler aussi autour mm. de vous d'émissions S'il y a des gens qui s'intéressent au paris sportif ouais. dans leur dans votre entourage pardon c'est euh, voilà c'est une émission euh, euh, on essaie de vous donner quelques conseils euh, avisés ouais. voilà. poser des questions Posez des mm. questions si jamais vous suivez la, la finale de la coupe euh, libertadores ouais. parlez-nous un petit peu de ça euh, est-ce que est-ce que Boca est capable de faire l'exploit dans au stade dans le stade de River <laughs> c'est du sport tout peut arriver de surtout partout surtout à l'aller au retour qu'est-ce que ça va faire surtout au foot Ouais, Alors, je sais pas. Si vous avez votre avis, donnez-le nous. Ça <laughs> nous intéresse. <laughs> ouais, non, voilà. ça va. Allez, très bonne, euh, Au revoir à tous. très bon week-end sportif à vous. Bye bye. est gagnant, émission de sport du et du pari sportif. Paris sportif.